The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. On va terminer ce télématin ordinaire dans la vie. Je peux vérifier un truc juste ? Non, je sais pas, t'as vu ou pas ? Rien. Il y a un boulot à prendre parce que j'ai déjà le costume, hein, si jamais ah, tu oui. vois au niveau, t'as vu ? D'accord. Enfin, vous avez... Bonne imitation. Ah, c'est pas mal. Ouais, bon, je vois pas de différence, enfin, ouais, franchement. Je sais pas, je dis ça si quelqu'un décide, ici, rien. Ah ouais, bien. Non. Mais le remplacement, c'est fait, c'est Laurent. Hein. Ah merde, bon, voilà. Salut. Ok. Je te dis ça, Biriane. Mais oui, ah bon, je viens de l'apprendre. Bon, j'espère que ça ne va pas vous couper les pattes. À part ça, c'est les tubes de l'été, donc ça tombe bien à la veille de vos vacances. Allons-y. Ouais. Là, on vient d'entendre Parcel. Parcel, c'est un groupe australien qui habite à Berlin. Ils ont bossé avec les Daft Punk. Ça, c'est très bien, on a entendu un petit bout. Voilà. Oui, et le badge, chef, le badge. Le badge, hein, le vrai badge. Ah ouais. Qui a été photographié avec hier, je pense. La coiffure d'époque. Oui, exactement. Donc, on commence avec Delvis. Qui est Delvis ? C'est un Belge qui s'appelle Niels Delvaux. L'anagramme approximatif, ça fait Delvis, comme un moitié Elvis avec un D devant. Voilà, il est belge. Il a été déjà reconnu par Sélachou. Sélachou, c'était... Vous savez, c'est quoi tous ces gens qu'on connaît pas ? Oh, mais non, Sélachou, mais non. Sélachou, pas pour cette dernière. Sélachou, la jeune femme belge qui chante. Il est temps que je m'en aille, moi. Il y a des gens que je connais pas. Mais si, on en a parlé mille fois. Et donc Sélachou l'a repéré et décide de lui faire sa première partie de tournée européenne, ce qui marche très, très bien. Et donc, voilà. Et voilà un garçon qui est signé dans le label de Justice et de Christine and the Queen. C'est ses inspirations. Et c'est entre Ella Fitzgerald ou Nina Simone et AC/DC. Donc vous voyez le grand écart, oui, c'est-à-dire qu'il aime bien le velu et le soul. Et je trouve que ça s'entend parce que les guitares sont velues et la voix est soul. D'accord. Un extrait. Oui. Allons-y. Le graphisme, ça fait un peu années 70, là. Oui, mais même la musique, il y a un petit côté griffe de cuivre, un peu Motown ou Stax, c'est vachement bien. D'accord. Je redis des noms comme ça au hasard. Oui, pour m'impressionner. Ça fait 15 ans que j'essaye de vous impressionner. Mais ça marche encore. Ça marche, avec des noms chelous. On continue avec des Français qui s'appellent Polo and Pan. Polo comme le polo, et oui, je suis désolé, c'est pas moi qui choisis les noms. Et donc, en fait, c'est le mélange de deux groupes français, des DJ. C'était Polo Corp et Pater Pan. Les mecs jouent ensemble dans des clubs DJ, ils décident de faire de la musique ensemble. Et en fait, ce qui est vachement bien dans leurs inspirations, c'est qu'ils annoncent comme ça, ils font Maurice Ravel, R, Giorgio Moroder, vous savez, le gars synthé des années 70, et... Vladimir Kosma. Mais quel est l'intrus dans un jeu ? Il n'y a pas d'intrus, c'est ça qui est vachement bien, c'est que c'est à la fois le côté Vladimir Kosma avec la petite mélodie qui vous rentre dans l'oreille et c'est pour toute la vie. R, c'est pour le côté on chante mais on ne chante pas. Giorgio Moroder, c'est pour le côté on a acheté des synthés d'occasion, pas cher et on joue avec. Et Maurice Ravel, c'est pour faire les intéressants, je pense. Mais voilà. Et pour que ça dure longtemps. Et le disque est vachement bien, c'est un peu exotico-français, un peu... On a l'impression de l'avoir déjà entendu, c'est très bien. Allons-y. Je me baladais, j'étais perdu. J'ai croisé des inconnus. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid on n'a pas décoché et j'ai continué à marcher. Ah ouais, j'aime bien ça. Pas mal ça. On est dans le même esprit que précédemment sur le plan du graphisme et c'est marrant hein, quand même. Ça. C'est comme si cette chronique était très bien préparée. C'est mon cadeau, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit pour une fois ? Qui a dit pour une fois ? Si, non, ne plaisantez pas avec ça. C'est du bon boulot. Hein. Un petit dernier avec Paramore. Combien d'années que vous êtes là, vous ? Hein ? 15. Ah, 15. Oh, bon, enfin, si on compte les répétitions aussi ou les fois où ça a loupé. Il y en a, c'est. Le joueur, 15. Oh, petit joueur. Je crois que c'est 16. Il y en a, c'est 20. 28, là. Non. Marie-Dominique Perrin, 31. Bon, alors, pas mal. On en a encore un ou pas ? On en a encore un, absolument. Paramore, alors c'est des gens de Nashville. Alors eux, c'est leur cinquième album, donc ils ne commencent pas comme tous ces petits jeunes qu'on vient de voir. Ils ont été nommés 4 fois au Grammy Award. Vous savez, le Grammy, c'est quand même classe. Et ils finissent par choper un. Hein. On peut dire choper sur la dernière chronique. Ouais. Ils en ont chopé un grave, voilà. Il y a des riffs de guitare, c'est un peu velu, mais en même temps, c'est un peu l'été. C'est normal, c'est la playlist de l'été. Lancement. You want.
mal aussi. C'est pas mal ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt le deuxième qui vous a bien plu avec la chorégraphie le truc de, comme ça. De l'été. Ouais. Bon, Polo and Pan. Il se débrouille bien. Hein. Hein? Vous savez que pour chaque chroniqueur de Télématin et parfois pour chaque technicien, il y a une petite histoire. Celui-ci, c'est son papa, un des très grands directeurs de la photo de la télévision, qui me téléphone un jour en me disant « Tu ne connais pas mon jeune petit, mais il fait de la musique. Je vais te l'envoyer. » Et 15 ans plus tard, il est encore là. Merci beaucoup. C'est vous vrai. Avez autre chose à dire? Oui, parce que dans les musiques de l'été, il y en a une que j'aimerais bien vous faire écouter si on fait un petit bond en arrière. C'est le 31 juillet 1976. Il y a un groupe qui s'appelle Chicago, vous voyez, Chicago. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, avec une chanson que vous aimez beaucoup. Oh, j'adore. Vous adorez, voilà. Hein? Laura avait 4 mois, nous dit, voilà, donc, voilà. Elle avait 4 mois de Télématin ou 4 mois tout court? 4 mois tout court. Et donc, le groupe Chicago enregistre le 31 juillet, cette chanson, et c'est notre petit cadeau à tous, chef. Bon. How could we let it slip away?